Salut tout le monde, c'est Léo, on est parti pour la suite de Scribble Notes Unlimited. Juste avant, je ferai la fin du niveau que j'avais pas réussi dans la précédente vidéo. Je connais la réponse grâce à vous, vous me l'avez donné dans les commentaires, c'est super sympa, merci beaucoup, allez, ciao. Scribble Notes Unlimited, continue, bitch. Ok, donc voilà, bah, j'en étais exactement là. Alors, il y a deux solutions, soit je crée un architecte, soit je lui donne une loupe. Vous m'avez donné les deux réponses, donc écoutez, on va aller au plus simple, on va lui donner une loupe. Elle a trouvé que c'était ça le faux. Maintenant qu'on a tout fini, globe, on passe à la suite, la métronymie. Très bien, je ne sais pas ce que c'est, mais on va le découvrir, ou pas. Bienvenue à la métronymie, c'est peut-être le nom de la ville, tout simplement. Oh, c'est joli. Eh bien, alors, un petit coup de Yandere Vision. Ok, on va voir Bob. Salut. J'ai si faim, et cette machine est vide. Gorge affamée. Au début, j'avais eu Georges affamé. C'était drôle, je sais pas pourquoi. Alors, écoutez, on va lui donner un sandwich. Non, oui, ça. Hop, cuit. Tiens, il est content? Oui, il est content. Super, à ton tour. Oh, c'est vrai, je vole. Attends, quels sont mes adjectifs? Volant rapide. Écoute, on va mettre volant bleu supersonique. Voilà. Je pourrais faire un peu d'argent si j'apprenais quelques trucs. D'accord. Bah écoute, on va te donner un livre. Tiens. Oh shit! Non seulement le mec a fait fortune, mais en plus il s'est transsexualisé. What the fuck? Ok, toi, qu'est-ce que tu veux? Je ferais mieux de faire disparaître ces flaques. Balai espagnol. Balai en bambou, en carton, en chino, en gros. Balai en gros. Tiens. Merde, je me le suis donné. Retiré. Oh! Ce petit chopage en plein vol était magnifique. Bon, ça lui va pas. Retirer. Éponge grande. Esperge. Esperge glande. Esperge glabre. C'est quoi ça? C'est une esperge glabre. Tiens, si tu veux en faire quelque chose. Non. Je sais pas, moi, une serviette grande. Tiens. Ah, ça marche. Yes, super. Suivant. Salut, toi. Ah, rock the rue. Rock the rue. Aide le chanteur de la rue à lancer sa carrière de rockstar. Rock the rue, c'est parti! Il veut devenir une rockstar, il a tout d'abord besoin d'un meilleur instrument pour déchirer. Ah c'est vrai qu'une casserole et un bâton, c'est pas non plus ouf. On va t'offrir une vraie batterie, musique, blam. Ouh. Cet instrument est génial, mais mon groupe sonnerait un peu mieux avec des membres additionnels. Le mec qui en veut pas trop quoi. Pote, hop là. Un autre, pote, hop là. C'est bon, faut peut-être leur donner des instruments. Bon, je vais carrément créer des musiciens, hop. Voilà, la danseuse. C'est ce que j'appelle un groupe. Maintenant on a besoin de matériel pour donner un vrai concert. Oh là là, micro, spectacle. Tiens, oh shit, le succès immédiat quoi. Allez, je ramasse la starit. Yeah, 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 rock and roll. Niveau déverrouillé, va voir Lily. Allez, on va voir Lily. Tiens, Lily, une étoile. Oh, merci, Maxwell. Hanga banga. Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Wouah, tu sais pas viser, mon gars. Oh, mais la pauvre, ça commence à attaquer ses épaules. Ok, on a déverrouillé cet endroit. Super. Je vais retourner ici. Il reste deux missions. Hop, salut, madame. Je veux acheter quelque chose ici, mais je n'ai pas d'argent. Non. Et tu vas pas me demander de se créer de l'argent, mais c'est complètement illégal. Monnaie. C'est n'importe quoi. L'argent n'a plus aucune valeur avec Maxwell. Une vieille. Je suis fatigué d'être debout. Adjectif. Endormi. Hop là. T'as cru que j'allais te donner une chaise? Non! Niveau complété, ben voilà, super! Oh, un cœur! Allez, bye! Et si on allait directement voir ce qui se passe au château? Le château de Sir Guillemet. J'ai envie d'aller dans un château là tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. On a la possibilité, pourquoi se priver? Ah, bienvenue au château de Sir Guillemet. C'est lui, Sir Guillemet? Très bien. Ouh, putain, c'est grand. Waouh, mais c'est géant! Oh mon dieu! Pokémon Soleil et Lune! Manticore! Mais c'est immense! Il me faut des adjectifs là. Grand, volant, super, Sonic. Yeah! Whoop, whoop, whoop. Alors, moi je veux voir les manticores. Ok, il faut sûrement aider celui-là. Donne-nous des armes pour tirer sur les envahisseurs. Et si je me débarrassais moi-même des envahisseurs? Adjectif, mort. Adjectif, mort. Voilà, c'est pas bon. Ah non, ils sont quand même là. Mort, 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 immense et mort. Voilà, tous morts. Ça vous suffit pas? Non, tu veux forcément une arme? Eh ben très bien, un arc. Tiens, voilà, il y a plus rien par contre. Vous êtes content quand même? Ok, super. Oh, on peut descendre ici. Moi, je continue. Oh, Merlin. La pierre philosophale est presque terminée, mais j'ai besoin d'un autre ingrédient primordial. Pour avoir lu tous les Full Metal Alchimie, je peux vous dire. Oh, la poussière. Pour faire la pierre philosophale, faut sacrifier du corps.
corps humain. Donc écoutez, corps vivant, on va retrouver ce truc dégueulasse. Tiens, alors, ça n'a pas marché. Un bras singulier. Tiens, non, ça ne va pas. Je sais pas, du sel, de l'or. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Attends, voilà, là je suis avec toi, vidé. C'était ça, c'était de l'or. Ok. Waouh, le mec s'est transformé en bébé, sans déconner. Hop, je t'enlève ton chapeau. Adjectif, immense, rouge, triste. Hop là. Ciao. Alors, oh, c'est quoi ça? Le dragon orphelin. Être le bébé lézard à grandir et à devenir la terreur du royaume. Waouh, j'aide le royaume et en même temps je le combats. C'est génial. Ce bébé lézard rêve de devenir un dragon grand et fort, mais il est trop banal. Écris quelque chose pour lui donner un peu de magie. Ok, et ben un petit peu comme le bébé quoi finalement. Immense, rouge et triste. Ça suffit pas? Hop, montez dessus. Adjectif, on va enlever triste. On va mettre brûlant, volant, braillant. Allez, braillant. C'est nul. On va lui créer des ailes rouges, géantes. What the fuck? Non, j'ai dit des ailes. Voilà. Mais non, pas sur moi. Putain. Voilà, ailes géantes et rouges. Mêlée. Mais non, pas sur moi. Pourquoi? J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Ah, j'ai un nouvel indice. Essaie de m'appliquer un adjectif. Mais je t'en ai mis des adjectifs. Magique. Ah, ok, c'est ça qu'il fallait mettre. Magique. C'est un dragon de glace. Donne-lui quelque chose pour qu'il s'imprègne d'un puissant souffle de glace. Glaçon, tiens. Ok, ça lui va. Un glaçon. Oh shit, comment il a grossi d'un coup? Ouais. Entraîne ton dragon. Place une personne dans la cage qui peut s'opposer à un dragon de glace. Oh. Tyrannosaure. Hop, ça va pas. Vidé. Oh. Oh, oh, il m'a tué. Maxwell a été vaincu, il m'a tué en deux crocs. Oh mon dieu, mais c'est dangereux. Oh merde. Oh vas-y, faut tout refaire. Magique, glaçon. Ben on va créer un dragon de feu. Dragon de dieu. Dragon de gel. Allez, dragon de gel. Oh, jette ça à la poubelle. Dragon animal. Hop, voilà. Dragon classique contre dragon de glace. Oh, one shot. D'accord, super. Allez, on ramasse. Yeah. Dragon orphelin complété, super. On passe à la suite. Alors toi, qu'est-ce que tu veux? Aide-moi à sauver mon ami, mais ne tue personne. Ah, alors ton ami, c'est lui. Putain, il a l'air méchant, ton ami. Rah, sans tuer personne, c'est dur. Ben, je vais te rendre immense et innocent. Oh shit. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça a marché en plus. D'accord. Ok, super. Est-ce que je peux me pendre? Non, on dirait pas. Dommage. Alors, bonjour. Ah non, il veut rien. Qui a un problème? Ah, toi. Princesse. Je déteste vraiment cette robe à froufrou. Donne-moi un vêtement qui a plus de style. Ok. Sandales. Hop. Voilà, les sandales, mon gars. Garde-robe royale. On descend. Oh, il est mignon, lui. Donne-moi quelque chose pour divertir le roi. Un ours rose mort minuscule. Tiens, personne n'en veut jamais. De mes ours roses morts. Guitare électrique. Tiens. Ah, il est content, le roi. Ouh, stylé. Qui a besoin de moi maintenant? Oh oh, cette poutre me gêne. Marteau, attaquer. Allez. Bon, alors une hache. Ah, rien ne peut casser ce truc. On descend. Oh oh, on va ramasser la pioche. Et on va piocher. Hop et hop. Non, toujours pas. Chevalier comateux. Donne-nous quelque chose pour aider notre camarade à s'évader de prison. Une clé. Tiens, j'en étais sûr. N'importe quelle clé peut ouvrir n'importe quoi. Ouh, je vais ramasser l'épée. Qu'est-ce que tu veux les attaquer? Non, tu les attaqueras pas. J'bim, j'bim, j'bim. Tiens. Adjectif, réveillé. Hop. Oh putain, il panique. Donne-moi quelque chose pour me débarrasser de ces orques. Bah là, il te faudra un balai, mon gars, parce qu'ils sont morts. On va quand même te donner une épée, parce que je sens que ça va pas marcher. Lui donner un balai. Épée d'escrime. Tiens, ça ne va pas. Un canon. Tiens, ça va toujours pas. Oh merde, je l'ai attaqué. Non, non, non. Je l'ai tué. Oh non, 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 non. Attends. Ça va pas, ça. C'est pas ce que je voulais faire. Réinitialiser. Ok, ça a l'air d'être bon. Mitraillette. Tiens, ça marche pas. Mais tu veux quoi? Un lance-flamme? Non, pas un lance-femme. Un lance-flamme. Voilà. Mais tu veux quoi? Ah, c'est un jouteur. Peut-être qu'il lui faut un cheval. Tiens. Ah! Oh! Shit! Il a gardé le lance-flamme, le mec. Attends, il faut lui retirer. Il faut lui retirer ça, c'est pas possible. Oh merde, il m'attaque. Ah non, il attaque le lance-flamme. D'accord. Oh, il attaque le dernier orc. Ok, super. Allez, bye. Waouh, il était chelou et dangereux. On descend. Le mec est de retour en prison. Mais c'est pas grave, on l'a déjà aidé. Quoi? Ah merde, j'ai un truc qui va pas. Attends, non, 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 non. J'ai une étoile rouge, réinitialisée. Ah, ce sont les orques. Aide-nous à nous faufiler sans être vu par le chevalier. Ah mais c'est marrant, il y a les deux quêtes, on peut pas les faire en même temps. Alors, invisible, voilà. C'est marrant, il y en a un invisible mais il en voit aucun. Et du coup ils vont faire quoi? Oh mon dieu, c'est quoi cette horreur? Ah bah ils vont se faire tuer. Hop, lui ça va, lui il a survécu. Mais il survivra pas à moi.
Ok, bien grillé, c'était quoi ça? J'ai fait une quête? D'accord. J'étais même pas au courant qu'il y avait des petites quêtes comme ça qu'on pouvait découvrir. Intéressant. Bon bah j'ai tout fait, hein? Ah bah ciao. Et bah voilà, c'était des niveaux plutôt intéressants. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Et dans tous les cas, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Non, ils ne sont pas. Par contre, My Waifu n'y est pas non plus. Donc c'était la Ruby, elle a remplacé My Waifu finalement. Donc on va aller prendre son appel, je ne sais quoi. Ah, tiens donc, tiens donc.